Salut à tous, c'est Gorzou et on se retrouve sur World of Warcraft et je suis en compagnie de Rayback. Salut à tous les amis, c'est Rayback et je suis sous les traits de Akajin le troll druide pour cette aventure en trio. On n'est qu'à deux mais quelqu'un va nous rejoindre très bientôt. C'est parti. Donc, t'as pris la quête de départ ? Ouais, t'inquiète, j'avais pris. C'est quoi ton objectif pour ce soir ? Notre objectif, c'est de sortir de la zone de départ, donc c'est-à-dire d'arriver au moins au village de Senjin avant pour ce premier épisode. Et pour cela, peut-être dans le prochain épisode, peut-être le troisième membre, on va pas vous spoiler qui c'est. Un moine, mon frère. Un chaman, certainement. Allez, c'est parti. Donc je vais voir mon donneur de quête qui est bien tout au fond. Tu es quelle classe déjà ? Druide. Ah d'accord. Donc moi j'ai décidé de prendre un mage. Merde, ça c'est ton maître à toi. Je suis déjà passé level 2 moi. Mais c'est normal, toi t'as tué des monstres avant. J'ai tué deux. Détruire 6 cibles de Tiki. C'est parti, crève, fétiche de Shenjin. Oui. Oh, moi je m'en fiche, hein, je regarde cette mascotte, hein, fétiche de Senjin. Faut l'acheter à l'enceinte du tournoi d'argent. À l'enceinte du tournoi d'argent, elle est. Mais faut l'acheter, mais faut être champion de Senjin pour l'avoir. Ah bah écoute, je sais ce que je vais faire avec mon main. Je vais faire, vu que je suis exalté à Senjin. Voilà, donc à deux ça va beaucoup plus vite. Pas mal, Soijin, pas mal. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai accent des trolls. Or, si tu viens voir maintenant, le mage, il a plus une allure de démoniste qu'une allure de mage. Pourquoi tu dis ça ? Bah viens voir mon maître, on dirait un démo. Ah ouais, effectivement. Ouais. Le maître des démos, il doit pas être loin. D'ailleurs, ça me rappelle dans la zone de Gobelin, qui est une autre race de la horde. Bah eux, le maître des mages et le maître des démonistes, ils s'envoient des sorts à la gueule. Ouais, je m'en souviens, ils se bastonnent. Donc, il faut qu'on ait des pots, et là, malheureusement, chacun va devoir tuer les mobs séparément, parce que des fois, c'est que les objets sont pas partagés en fait. Pots de félin crin sauvage. Allez. Pas, là, on passe 100%, donc je vais pas drager. Ici, il y en a plein. Donc on est dans la guilde du clan Akatsuki, hein, donc ceux qui veulent revenir, c'est une guilde du côté Horde. Et qui est assez récente, mais nous sommes déjà niveau 6. Non, nous sommes déjà niveau 6 et j'ai été vraiment assez choqué quand même parce qu'elle a très vite augmenté de niveau vu qu'elle est toute récente. Ouais, non, le pire c'est que pendant longtemps on était niveau 1, 2, et puis d'un coup on a grimpé en flèche, je sais pas comment. Ouais, parce qu'au début il y avait que nous, puis j'ai commencé à... Je me suis dit, bon, maintenant on a fait les préparatifs, on va commencer à recruter. Du moment où j'ai recruté... Niveau 6, direct. Allez. Il reste une peau, et toi ? Toi, t'en as déjà 6, toi ? Moi, j'ai 5 peaux, moi, j'ai une. J'en ai à peine 3, moi. Moi, je t'attends, il n'y a aucun problème. Ah bah là, il y en a 2 devant moi. Allez, crève par le feu, ça est drogué. Ouais. Tu as 2 quoi, toi ? Alors j'hésite, soit il me semble que bas niveau le mieux c'est ce spé givre. Et parce que t'as un pet. Mais j'aimerais bien essayer arcane. Il me semble que arcane c'est assez puissant. Donc c'est bon, donc là c'est les deux prochaines quêtes, c'est des quêtes où on doit être séparés. Et après la quête du mec là. Ouais. Tu dois tuer un naga. Bah, j'ai eu un nouveau sort et je suis passé niveau 3. Et c'est après la quête du naga, on va pouvoir être complètement ensemble. Ah, c'est bon, je vais. J'arrive au. Dans la fosse et je vais buter. Ah, je vais aussi arriver, je vais aussi être up niveau 3 et je vais recevoir Nova de Givre. Donc, dépêche-toi parce qu'en fait, quand il va pas m'attaquer, je t'attends. Et comme ça, voilà. On pourra le tuer à deux. Comme ça, tu valides la quête déjà. Alors, parler à un geôlier. Il est devant. Ah ouais, il est là. Le geôlier, sombre lance.
Voilà, je lui ai parlé, mais il me dit rien. Ah, faut que tu lui tues. Ah, donc, on va te regarder le tuer. Ah non, je n'ai pas attaqué. Hein. Il y a un défi qui est en cours. Ah bah tiens, ça m'a compté comme si tu me l'avais, comme si j'avais tué. J'ai eu un bâton de druide sombre lance et j'ai une quête où je dois m'entraîner pour sur des cibles tiki. Donc, hop, je m'entraîne. Ah, tu as déjà pas fait cette sur les cibles tiki? Ah, j'ai reçu une robe. Ah si, moi aussi je dois m'entraîner sur des cibles tiki. Bon bah pour commencer la quête, on doit s'entraîner auprès de Vol'jin. Donc je te... Voilà, mec, j'ai fait un Nova Givre et ça m'a gelé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors attends, 1, 2, 3. Un Nova Givre déjà à ce level? Ouais. C'est bon bordel. Il me semble en plus que Mage c'est assez cheaté. Enfin, c'était cheaté, maintenant je sais plus, je sais pas ce qu'il y en est. Ça a été nerf, hein, c'est comme le guerrier. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, ou guerrier, je crois pas, mais guerrier c'est très puissant encore. Hein. Un guerrier arme, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Guerrier prot avec mon. Oui, mais guerrier, c'est parce que guerrier prot à partir du niveau 90. Ouais, à partir du niveau 90, guerrier prot, c'est plus. Ça fait beaucoup moins de dégâts qu'un. Bon, qu'un wawa prot bas niveau. C'est sûr qu'après bas niveau ça rose du poney hein. Donc on va aller chez Vol'jin. D'ailleurs je crois que c'est le seul c'est une des seules zones où tu commences directement avec ton chef. Ouais, mais ça rend l'accès au à la faction inverse beaucoup plus difficile dans le sens où ils ont à passer pas des gars niveau 80 mais du niveau vers niveau 81. Ouais, c'est des guerres niveau 80. Il y a une petite cinématique. Ah ouais, avec Trali, il me semble. Non, Garrosh. Ah oui, il y aura aussi Trali qui viendra parler. Ouais, ça sera à la fin. Attends, j'ai un peu monté le son. Voilà. Si le titre tu l'as eu, c'est que t'es le fils de Grom. Le Grom. Il veut un héros de la guerre. Bah oui, mais parce que, en fait, à la base, le vrai chef de guerre, c'est Vol'jin. Bon, ça devrait être un... Garrosh, il est même pas chef de guerre. Mais Jitting est chef de guerre par intérim. Techniquement, Thrall est toujours chef de guerre. Voilà. C'est pour ça que Thrall peut décider qui est le chef de guerre. Mon chef de guerre à moi. Mon respect, tu l'as pas mérité. Et la Horde, je la laisserai pas détruire pour ta stupide envie de guerre. Ouais, parce que Garrosh, moi, je ne l'aime pas. Ouais, mais il est proche. Il n'a pas la classe. Vol'jin, je trouve, il a trop la classe. Allez. D'ailleurs, c'est un petit docteur. Très bien, fils de l'enfer. Je vais regarder ton peuple. Prends conscience que tu es un incapable. Je vais rire. Ils mépriseront comme je te méprise. Ton échec y sera complet et que ton pouvoir y vaudra plus rien. Moi, je serai là et ton règne y prendra vite fin. Ah, ça c'est des paroles ça. Tu vas le passer à regarder par-dessus ton épaule vers les ombres. Parce que, tiens, prends mon bâton dans les fesses, Garrosh. Crève. Crève. En fait, mon bâton il fait moins de dégâts. Il fait beaucoup moins de dégâts, mais par contre, il me fout un bonus d'envie. Ah ouais, t'as déjà un bâton vert, toi? On ah va ouais. Dire les dégâts, comme je veux me faire un heal, donc un soigneur. Voilà, donc on va pouvoir continuer à parler à Moraya. Ouais, juste dehors. Ah, ça va être drôle un moment quand on devrait capturer des raptors. Ah, il y a une autre quête. Bon, on va prendre toutes tes quêtes. Ouais. Je vais la prendre aussi. Attends-moi. J'ai pris la pêche au crabe et je vais rendre la quête de Moraya. Ben, on va commencer par la pêche au crabe pour tuer des clampons et puis on va au bord des plages, quoi. C'est parti, on va au bord des plages. Au bord de la plage et dès qu'on a 5 clampons chacun, ben on va rendre les têtes.
C'est parti, mon zizi. Droite au but. Vaincre la zizi et Superman. En mode... Ah, mais tiens, j'avais jamais vu ce HF. Je l'ai déjà fait. Ah bon. C'est le HF des... pour avoir l'ours. Ouais, pour avoir l'ours de guerre, l'ours de bataille à Mani. Ça y fera bien sur notre œil. Donc j'ai déjà commencé à en attaquer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça le fera toujours mieux que sur un gnome. Ah, ça c'est sûr. Je sais pas, j'aime pas les gnomes. moi j'aime bien leur univers. D'ailleurs, un de mes premiers persos que je mettais. Bah moi, mon premier perso sur WoW, en vrai, c'était un gnome. C'était un gnome guerrier, je savais même pas qu'on pouvait changer de classe. J'avais fait... Bon, mon premier perso sur WoW, c'était un démoniste, un gnome qui s'appelait Papa Noël. Bon, mon premier vrai perso, il s'appelait J.E. et c'était un humain paladin. Et après, c'était juste après J.E., il y avait pas Vizirus. Il y avait Vizirus, mon prêtre. Prêtre niveau 40, je sais pas combien. Ouais, niveau 40, ouais, mais bon, mais c'est un perso qui a plus de 4 ans. Hein. Ah ouais, mais ça fait très longtemps que t'as pu jouer avec depuis, hein. Ouais, si tu as un serveur privé, bon, maintenant je suis content d'avoir l'officiel. C'est parti. Alors, moi, ça fait déjà un peu plus longtemps quand même que je suis sur officiel. J'ai un 90 quand même. Hein? J'ai un 90 quand même. Ouais, t'as un 90. Bah, moi j'en ai deux et bientôt 3. J'en aurai bientôt 2. Un côté Alliance, un côté Horde. C'est bon, j'ai mes petits plans bon, fallait rendre la quête. Moi, un côté Horde et deux côtés Alliance. Mais bon, il y en a un que je vais essayer de mettre au niveau Horde. Je vais devoir rendre à Char de Clampan. Et moi, je vais aller au Char de Clampan. Et je t'attends au niveau du village, au niveau du rivage sombre lance. Et rivage. Et, encore un niveau. Ouais, faudra qu'on aille chez Griffe 100. J'ai mon premier sort de ville. Ah bon? Ouais. Swag. Moi j'ai hâte d'avoir explosion des arcanes. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours kiffé cette attaque. Mon truc c'est Nova des arcanes. Ça c'est un truc que j'avais toujours kiffé. Nova des arcanes. C'est là où ultime des majos quoi. Ah oui, explosion des arcanes tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est Saya que je parle depuis avant. Ah tiens, je pourrais nous faire à bouffer aussi. Ah bah tiens, y'a mon copain qui est revenu et qui a gagné un niveau. Contre, je sais pas quelle classe. Mais... Merde. Non, je veux pas regarder la cinématique, je m'en fous. Je me suis trompé, je croyais que c'était lui que je devais rendre à quête. Les bébés raptors ils sont trop mieux. Eh bien bon, cher Zony, tu as très raison. Mais bon, il y a des crafters griffants, donc on va peut-être les chercher avec Argentin. Donc attends, j'arrive au rivage Griffe 100. Summer of Party Rocking. A la Wexner. Mo, un fidèle américain. Donc moi, je t'attends. On va dire, je vais juste commencer à faire la quête des bébés raptors. Non, je vais t'attendre tout court. Ça vaut mieux. Oh, il y a un mongol qui me suit. Zuni, c'est ton copain. Mais je l'aime pas ce gars, je sais pas pourquoi. Je lui trouve un peu pot-colle. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me suis? Arrête de me stalker. On dirait le clip de Faudel. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime à la folie. Ah non, c'est bon, il s'est barré. C'est bon, donc pour les grissants, t'attends, tu me dis quand t'as pris les quêtes que je puisse commencer à les tuer. Bah attends, je vais rendre déjà la quête. Parce que les griffes sans, c'est comptabilisé aussi pour toi, et puis en même temps, je fais les sifflets. Alors attends. Non, pas, mais j'ai été aggro sans faire exprès. Enfin, je vais donner un coup de bâton. C'est bon. C'est bon. Et déjà, il faut les sauver, il faut pas les tuer. Non, les bébés, faut les sauver, mais il y a les griffes sans corrompus qu'il faut tuer. Ouais. Moi, j'en ai déjà 3 qui sont avec moi. Faut faire comment déjà pour les sauver? Et ben, un sifflet en objet. Ah oui.
Bon, on va dire comme ils sont pas agressifs, j'en profite pour les avoir. Ah, là j'ai juste un petit problème. J'ai un petit chargement et j'espère qu'il bug pas, sinon je pite un peu et pendant. Allez, me fais pas que bug. Les trucs sont pour toi, hein, c'est chiant. Comment ça, tous les trucs sont pour moi? Ouais, tous les ah non, ça va. Parce que tous les comment ça s'appelle? Les loot sont pour toi. Pour l'instant, tous les bugs que j'ai tués, ouais. Bah, à notre veille, y'a pratiquement rien pour nous, hein. C'est pour tout le monde la même chose. Ouf. Bon, il m'en reste à sauver un. 12. Ah là, j'ai sifflé dedans. Ah tiens, il y a une deuxième quête. Alors il va falloir tuer Najtess. Faut pas un mob. Et faut pas. Et griffe sans, faut tuer les corrompus. Ah oui, d'accord, c'est sur une autre île. Je suis tout petit. Ah ok, ouais. C'est pas là. J'ai une palourde. J'ai une palourde sur un naga. C'est un mob de qui, donc je suppose que... Vous voyez, c'est une maquette. Donc, alors, augmente votre attente mêlée à distance et des sorts de 20%. D'ailleurs, ils ont un bon buff, hein, ils ont un bon buff racial, merde, les trolls. Une classe sympathique. Les seuls en fait qui cherchent pas la merde avec l'alliance, parce qu'ils ont un truc à faire avec eux, la merde avec l'alliance. D'ailleurs, à Hurlevent, il y a même des trolls sombrions qui sont venus demander de l'aide à l'alliance. Ah, j'ai une sacoche sur un dinosaure. Ah, GG. Je sais pas comment il l'a eu, mais bon. Bon, il te reste combien de griffons corrompus à tuer? 2. Ouais. On est à gros 1. Bah là, je suis aussi en train d'en tuer un. Hein. Voilà. Alors maintenant, faut que j'aille tuer l'autre, Naga. Est-ce qu'il a déjà repop en fait, le naga? De toute façon, on va tout faire en même temps. Hein. On va tout rendre en même temps. C'est pour ça que je t'attends. Et donc, quand nous serons au niveau 5, je pense que on pourra terminer la vidéo. C'est bon. Merde. On va certainement tourner 2 épisodes à la suite, donc jusqu'au niveau 5 et jusqu'à la fin de la zone de départ. Quoi. Le deuxième épisode, je pense. Je vois pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Ouhou, j'y suis tout petit, j'y suis un gnome. Ah bah tiens, il y a 2 orbes de corruption. oui. Regarde, il y a 2, mais on a tué 2 fois le même mec en fait. Le mec, c'est Jésus, il a ressuscité. Oh, tant pis. Je suis sûr, regarde, quand il est revenu, il a fait: oh tiens, c'est pas mon cadavre. Non, ça se peut pas. Non. Me dis pas que je bug. Ah non, j'ai juste ouvert à ta saute. Ok, donc, est-ce que tu as toutes les quêtes? Yes. On va pouvoir y aller. Est-ce que t'as un buff à me proposer déjà à ce level? Qu'est-ce qu'il y a? Valeur des anciens. Comment tu peux... J'ai hâte de pouvoir faire une transmo, là. J'en ai déjà vu une belle pour Emajo. Les druides aussi ont des magnifiques transmo. Personnellement, même si ça ajoute du truc, je suis pas vraiment un fan des transmogriffes. Bah, avoir un beau personnage, c'est essentiel. Hein. Je l'aime bien, mon perso, donc on va lui laisser son stuff niveau 1. Il sera niveau 90 avec son stuff niveau 1. C'est bon, je vais pouvoir lui rendre la quête. Et j'ai pris la quête de capturer Vivi. Il va falloir que je trouve les et voilà. Donc j'ai eu des bottes. Enfin, mon perso avait... Super, j'ai mis les bottes, mais... Bah, les trolls, hein. Ah, on voit pas les bottes sur les trolls. On voit les bottes sur les trolls. Ils auraient dû, hein, ça aurait fait pas mal. J'en ai marre que mon perso se bat en pieds nus. Alors, capturer Vive Griffe. Moi, je le vise, Vive Griffe, hein. Il est où depuis avant, cet enfoiré? Parce que c'est un... pour moi c'est un autiste, il court dans tous les sens.
Tu y vois, Vive Griff? C'est bon, je l'ai chopé. Est-ce que la quête s'est validée pour toi déjà? Non. Pour moi, je vois que t'es. C'est bizarre, ils ont mis que l'image de Vive Griff, c'est un démolisseur. Ah, je vois Vive Griff. Un démolisseur, mais c'est un. Un raptor. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi, ça doit être un bug. Reviens! Reviens, Vive Griff! Reviens! Voilà, j'y ai capturé. Ouais, bah maintenant, je garde la monture et je me barre avec. Hop, j'ai mis dans l'enclos. Il peut pas s'arrêter. Enfin, si, mais il m'a envoyé bouler. Allez, Vive Griff, montre-nous tes fesses. Oh putain, et en plus, le truc, c'est pas validé. Ah, il s'est pas validé. Pas validé. Bah, attends, ça va peut-être fonctionner. Comment je le mettrai dans l'enclos? Je vais aller le chercher. C'est vraiment du gros foutage de gueule. Parfois, les quêtes sont buggées. Ah, moi, ça m'a validé. Bah, si tu pouvais m'attendre, s'il te plaît. Bah, t'as dû mettre dans le mauvais enclos. Non, j'ai mis dans le bon enclos. Où il y a tous les griffes sans. Ouais. Ah, c'est bizarre. Moi, ça me l'a validé du premier coup, tu vois. Ouais, mais attends. Bon, là, techniquement, il est là. J'ai pas envie d'abandonner la quête et d'après, il est là. Vive griffe. Si tu pourrais mettre un bip plat parce que ça risque d'être méchant, Vive Griff, c'est un enculé. J'essayerai de placer un bip. Voilà. Vive Griff, ne s'arrête pas. Non mais. Bon, moi mon troll au niveau faciès, tu peux pas faire plus simple. Chauve, il me ressemble. Non, je ne suis pas chauve, mais bon. Mais les coiffures des trolls, je les trouve tellement moches que. Non, ça va. Moi, j'aime bien la coiffure du troll que j'ai mis. Ouais, bon, c'est une des seules coiffures possibles. C'est une coiffure basique. Là, je l'ai mis dans l'enclos, donc c'est bon, je pourrais rendre ma quête. C'est parti. Ah, bientôt, nous aussi, on pourra être 95. Pourquoi 95? Le courant of Draenor, non? Ouais, mais eux ils seront déjà niveau 100 ou 105, une connerie du genre. Non, non, c'est niveau 100 hein, qu'on va être. Hein. Hop, ouais, nous on sera niveau. Merde, j'ai pris celui en maille, oh je m'en fous. C'est bon, on a la quête du mec là. Zuni, Tortunga. Ah bah y'a de nouveau Zuni. Mais je te déteste, mec. Ça va comment? Parlez à Jornoun. Ouais. Donc, le raptor qu'on t'a donné, il s'en bat les couilles et il saute. Mais je m'en fous de Zuni. Non, mais ce mec, il va crever à la fin, quoi. Ouais, je suis content. un boss niveau tête de mort, hein. Pour pas vous spoiler, hein, je vais rien dire. T'as un boss niveau tête de mort et lui, il va l'attaquer. Alors qu'il sera niveau 5, un truc comme ça. Peut-être il suit ton level, en tout cas, c'est genre... Intelligence de Zuni. Regarde, moi, mon raptor, c'est Jackie Chan. Il fait des bonds de 15 mètres de haut. On la crie des vex et cailles. Et bah là, c'est là où on va rigoler. Parce qu'en fait, il va y avoir des insultes. Ouais. Donc. Salut. Salut. Placer les fétiches. Les fétiches territoriaux. Oh non, il y aura Zuni dedans. Il va encore dire de la merde. Et bah, mais Zuni te dit des. Là, il y a quelqu'un qui a fait le ménage. Ah! Ah, moi je vais attraper mon water. Dis, on se serre les coudes. Non, je veux pas, t'es moche. Oh, y'a un blablabla. Ah, oui, merde, si je dois aussi. Ah, bah non, c'est bon, si tu es place, ça marche aussi pour moi. Ok, donc moi je propose que. Bon, je vais tuer des nagas et toi tu places les trucs. Ta mère, elle suce des hameçons. Elle suce des hameçons, il me. C'est dégueulasse. C'est parce que je suppose que c'est une métaphore. Je dis bien je suppose. Donc on pose des fétiches. Ils ne font pas de bruit eux malheureusement. Éclair givre feu. Ouvre toujours les pas lourdes. Hein, avant on avait simplement éclair de feu, maintenant on a éclair givre feu. Avant c'était un sort haut level. Ivre-feu, c'est un sort au level. Ah, le vex est carré. Tu assommes ma sombre lance. T'es sérieux? Meurs, espèce d'anguille.
Bah, c'est sûr que ça ressemble à une anguille. Moi je kiffe le langage de Jinrock dans Tot. Quack. Le mec il dit H24, crack. Quack. Oh putain, j'ai déjà level up. Déjà ? Bah moi aussi, il suffit que je tue encore deux nagas ou que je rende la quête et je up. Et je pense que ça va être la fin du premier épisode quand on aura rendu les deux quêtes. Bah là pour l'instant, tue les nagas, dire moi je vais déjà up. C'est normal, c'est parce que tu ouvres ta bouche. Ah, moi aussi j'ai up. Ah, pour toi, bah c'est bon, il nous manque encore deux fétiches. Espèce d'anguille. Là, là-bas, il y a un drapeau là. Je vais le faire. Aïe, non, vas-y, toi plutôt. Toi, t'as fait aucun fétiche, il me semble. Ah, d'accord. Bah. Donc maintenant, on peut sortir, mon frère. Oh, il y a NB. Ah, bah tiens, j'y ai vu avant ce schnau. Il y a vraiment des gens qui ont the best ever pseudo. Hein. Par contre, comment on monte? Bah maintenant faut reprendre le sens inverse. Viens où je suis. T'es où? Ah bah t'as fait Yamakasi. Ouais, je suis un troll et j'aime bien ça. Moi je suis un troll et j'aime bien ça. C'est parti. Oh putain. Et quand la musique est bonne. Et je tape. Oh, t'es sérieux, t'as une petite perle. Ce refrain qui te plaît. Ah, on m'appelle. Ouais. Crève. Oh, y'a Zoni qui m'aide. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est un vrai personnage. Avec son pseudo en bleu, comme ça. Ils ont fait intelligent parce qu'ils me in en plus. T'as remarqué parce que Zuni en vrai on dirait un vrai personnage. Comment ça un vrai personnage? Bah tu vois son nom en bleu et tout alors qu'habitude les PNJ tu vois pas leur pseudo. Et tu sais pourquoi tu vois son nom en bleu? Pourquoi? C'est parce qu'en fait c'est une entité qui est considérée comme appartenant. Alors moi je vois pas ton Zuni. Oui ouais je sais. Moi non plus je vois pas les tiens. Donc voilà, on va pouvoir finir le premier épisode. Donc viens, on va prendre une pause de winner. Donc on va pas prendre la quête. Ah bah il y a Vader où j'ai appuyé sur échappe. Zuni. Donc voilà, hein, c'est la fin du premier épisode qui s'appelle. Mais dis donc, il est toujours pas là et troisième. Donc c'est la fin du premier épisode, hein. C'était Gorzoon et Rayback. Salut à tous et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Allez.